Vous recherchez un banc pour piano ou une banquette réglable pour piano, pour jouer sur un piano classique ou un piano numérique, mais vous ne savez pas lequel choisir. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs bancs pour piano qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, je vais vous présenter les modèles les mieux notés par ordre de prix décroissant, en espérant que ça pourra vous faire gagner du temps pour ce choix. Et bien sûr, pour commander un des produits présentés ou voir plus d'infos, il y aura tous les liens juste en dessous en description de la vidéo. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier qui sera le Navarez, donc banquette pour piano noir, même s'il existera aussi d'autres couleurs, hein. On aura différents tons de noir, également du blanc et noir, du marron et noir, etc. En tout cas, les évaluations sont excellentes avec une moyenne de 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 780 évaluations. Un prix qui sera un petit peu cher, mais qui reste tout à fait correct, hein. Pas beaucoup plus élevé que la concurrence. Ce sera donc fait en bois massif avec des pieds fixés par vis d'ancrage. Donc un châssis qui sera avec une haute résistance, une assise qui sera elle en velours avec une taille de 52 x 30 cm. Ce sera réglable en hauteur avec un mécanisme de précision en croix, donc vous pourrez vraiment régler au centimètre ce qui vous convient le mieux pour votre jeu. Et donc ça ira entre 45 et 58 cm au niveau des possibilités de hauteur. Donc ça vous laisse quand même une marge où vous pourrez choisir de 13 cm, ce qui est plutôt intéressant. Donc c'est clairement un choix que je vous recommande. Pour voir plus d'infos dessus, ce sera le premier lien en description. Un deuxième que je vous présente, c'est le Neuer banc de piano rembourré réglable. Donc celui-ci, c'est le même principe, hein, au niveau de la fonctionnalité, au niveau du réglage en hauteur. On aura des évaluations un petit peu moins bonnes, cette fois-ci à 4,4 étoiles sur 5, sur plus de 366 évaluations. Le prix est à peu près similaire, il y a quelques euros de différence, c'est tout. Donc on aura une hauteur qui sera réglable avec une possibilité entre 46 et 56 cm, donc un petit peu moins de choix, mais ça reste potentiellement suffisant. Et on aura un banc qui sera quand même solide, robuste, confortable, avec une grande capacité de charge, etc. Évidemment, hein, toutes les choses que le piano que vous voyez sur les images ne seront pas inclus. Mais du coup, c'est un produit selon moi qui reste intéressant, mais quand même un petit peu moins que le précédent. Quand on voit tous les rapports, donc le prix et les capacités, les évaluations clients, moi je vous recommanderais plutôt le modèle précédent qui a aussi beaucoup plus d'avis en France, etc. Donc ça apporte quand même plus de confiance. Après, ça reste un produit intéressant. Et on va terminer avec un dernier qui sera le plus populaire de cette sélection, même si là c'est plus orienté pour un piano numérique, c'est le blanc. Le banc de clavier premium Rock Jam rembourré, donc Rock Jam qui est très populaire au niveau des pianos numériques. On aura des très bonnes évaluations à 4,5 étoiles sur 5 en moyenne, sur plus de 11 000 évaluations clients, donc c'est vraiment énorme, hein, c'est de loin le produit le plus populaire. Et donc c'est un banc de clavier Rock Jam qui sera livré avec un rembourrage épais de qualité supérieure, un tabouret qui est fabriqué d'acier, donc qui pourra supporter jusqu'à 150 kg, donc qui sera vraiment très solide avec des pieds en caoutchouc et du coup qui vous permettront de jouer sans aucun mouvement, sans abîmer, etc. avec une chaise avec un cadre en X qui permet de la plier facilement. Et on aura aussi une hauteur réglable avec cette fois-ci 4 positions qui peuvent être ajustées en quelques secondes pour s'adapter à votre hauteur. Donc c'est un choix qui sera aussi moins coûteux en termes de prix. Donc pourquoi pas non plus se porter vers celui-ci, même s'il y aura moins de précision forcément. Au niveau de la hauteur, etc. Mais le confort, voilà, reste bien, une bonne solidité, etc. Donc voilà, ce sera à vous de choisir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. En tout cas, si vous souhaitez commander un de ces bancs ou voir plus de détails, comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous en description de la vidéo. Donc pour commander ou voir les prix exactement, constater vous-même les évaluations clients, voir plus d'images, d'informations pour finaliser votre choix, passez par les liens en description. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.